Donc, Cédric Tolu, vous êtes responsable développement énergie renouvelable chez Tergis. Tergis, donc, vous développez des systèmes autonomes de traitement des eaux. Et c'est vous qui avez la parole et je lance le compteur. Merci. Donc, je vais présenter les activités de Tergis. Alors, slide suivant. Donc, chez Tergis, nous fabriquons des systèmes autonomes de production d'eau et d'énergie verte. Autonome voulant dire autonome sur un plan énergétique. En termes de production d'eau, nous produisons une eau de haute qualité sanitaire puisque nous stoppons quasiment 100% des virus et bactéries jusqu'à 600 m3 par jour et nous pouvons garantir une production minimale tout au long de l'année. Les applications sont l'eau potable, dessalement d'eau de mer, recyclage d'eau usée et la production d'eau pour l'irrigation et les procédés industriels. Nous ajoutons donc un module de production d'énergie verte sur la base de générateurs photovoltaïques, éoliennes, méthanisation. Donc cela pour auto-alimenter la production d'eau, mais aussi pour satisfaire des besoins additionnels énergétiques comme la recharge de smartphone, la recharge de véhicules électriques, l'éclairage, etc. Tout cela jusqu'à 9000 kWh par jour et donc sans émission de CO2. Et donc nos systèmes sont conteneurisés, faciles à installer et plug and play. Slide suivant. Alors, c'est particulièrement intéressant dans la réduction des impacts eau-énergie, puisque spécifiquement pour les applications recyclage des eaux usées et pour le dessalement, les systèmes usuels vont certes réduire la pression sur les ressources en eau, mais comme elles consomment l'énergie du réseau électrique, souvent fossile, elles vont donc émettre du CO2. Cela va contribuer au changement climatique, lui-même va contribuer à la pénurie d'eau, ce qui est contre-productif. Et donc nos systèmes, comme nos systèmes intègrent la solution, la production d'énergie verte, va permettre de sortir de cette spirale négative pour des projets donc, exemplaires dans la réduction des impacts eau et énergie. Et maintenant, il y a un petit film normalement. Merci beaucoup. Donc, c'était Cédric Tolu de Tergis.